représente le Radiothon de CKRL pour toi? Ben, l'occasion de rencontrer plein de gens, de faire la fête, bien sûr, d'abord et avant tout, de ramasser des sous pour CKRL. C'est sûr que c'est un événement de financement très important pour la station, mais c'est surtout une grande fête de la radio où animateurs, chroniqueurs, bénévoles, public de CKRL se rencontrent pendant une même fin de semaine. D'abord, c'est une fête de la radio pour notre auditoire. Donc, durant toute l'année, les auditeurs de CKRL nous écoutent, mais on leur rend avec un cadeau durant 3 jours de l'événement. CKRL devient un cabaret festif. Faut rappeler qu'on ouvre nos bureaux, qu'on transforme en cabaret pour l'occasion, puis on fait toutes nos émissions devant public. On rencontre nos auditeurs aussi qui viennent participer avec nous au spectacle. Alors, c'est un 3 jours de fiesta et de plaisir, de bonheur. C'est gratuit en plus, donc on offre beaucoup de cadeaux à CKRL en échange de vos dons et de vos encouragements. Mais c'est aussi une façon de savoir comment nos émissions marquent les gens, comment les gens peuvent les apprécier. C'est l'occasion d'assister à une émission de radio, de voir l'envers du décor et bien sûr d'apprécier les artistes en spectacle qui sont là juste pour nous, pour CKRL. C'est 42 000 qu'on veut aller chercher, ce 42 000 $-là est essentiel à la continuité du CKRL que vous connaissez, que vous aimez. Donc, c'est la raison, c'est pourquoi le Radiothon est aussi important pour moi, mais pour surtout l'ensemble des artisans et les auditeurs qui nous écoutent. Michael, qu'est-ce que représente pour toi CKRL? CKRL, c'est la musique nature, les gens nature. C'est une radio, comme j'aime beaucoup le dire, en harmonie avec notre communauté. Hein. Découverte, je pense que c'est un mot qui est revenu souvent. Le fait que la radio est, on va dire, non commerciale comme telle, la radio n'est pas pliée, exemple, à un certain style de musique à certaines heures. On est l'écho des gens de la place. Il faut, tant que possible, toujours apprendre. Puis apprendre avec plaisir. Puis quand on écoute de la musique qu'on connaît pas ou des groupes qu'on connaît pas, on apprend quelque chose. On est une voix différente aussi, alternative, et on le temps de piquer votre curiosité puis de satisfaire aussi votre soif de curiosité, je pense. Et je pense que si on écoute CKRL, c'est qu'on est ouvert à cette découverte-là, cette soif de découverte. Donc, ce serait mon mot pour résumer CKRL. On a toujours besoin de vous, puis c'est précieux comme collaboration, comme investissement dans une carrière. Ça peut faire la différence pour vrai.